Yeah, ça qui m'intéresse. Salut à tous, c'est LK, et aujourd'hui on se retrouve avec des cheerleaders. Ouais, des babes. Regardez-moi ça, ces actions de fou furieux, de folie, un petit bond en arrière hein, quand même. Au niveau du temps. Donc salut à tous, c'est LK, et aujourd'hui on se retrouve avec NBA Live 97. Et ouais, franchement ça nous rajeunit pas, hein, franchement. Je sais pas si vous avez vu au début les effectifs, la date à laquelle ça a été pris en compte, hein, bien sûr. Je crois que c'était septembre 96, hein, c'est ça. En tout cas, voilà, ça date de Mathusalem, hein, quand même, ça fait presque 15 ans. Et franchement, ben voilà, on va passer un petit peu de temps sur un jeu de basketball. Et ouais, pour la première fois, hein, quand même. Mais c'est pas le premier hein, dont je suis fan. Il y en avait eu un autre, hein, chronologiquement, dans le temps, que je vous ai pas fait, et il faudrait que je vous le fasse, d'ailleurs. C'était NBA Jam sur Super Nintendo. Franchement, un jeu de ouf. C'était de l'arcade pure. On faisait des sauts de 20 mètres de hauteur, on explosait le panier avec un ballon en feu, enfin voilà, quoi. Et là, ben, vous allez voir que c'est beaucoup plus simulation. Bien sûr, hein, c'est eSport. Vous allez voir que ce jeu, pour moi, c'est l'équivalent de FIFA 99, voilà, en basket, hein, au lieu du foot. Je vous avais déjà fait FIFA hein, 99, pour moi c'était le meilleur, hein, évidemment, c'était l'un des rares que j'avais connu. Je les ai pas tous connus, hein, je suis pas le mieux placé pour parler. Et ben là, NBA Live, c'est pareil, sauf que c'est une série qui n'existe plus, hein, de nos jours, je crois, hein. Ou alors si, mais sous un autre nom. Il y a toujours des jeux de basket, hein, de eSport, je crois, mais je sais plus si... Enfin, voilà, je sais plus si ça continue de nos jours. En tout cas, voilà, ça a bien évolué, hein, depuis le temps. C'est une série qui s'est un peu moins imposée, hein, que FIFA, pour le basket. En tout cas, voilà, une série un peu moins prestigieuse. Pourtant, vous allez voir que c'est un petit peu l'équivalent. Alors, déjà, un truc assez hallucinant. Regardez dans les options, on a, bon là, période c'est pour modifier le temps de jeu, hein, on peut aller jusqu'à 12 minutes et minimum 3 minutes, hein, pour un carton, voilà, hein, je crois que c'est ça, hein, un carton dure 3 minutes, là c'est pas des, c'est pas comme au foot, c'est pas séparé en deux mi-temps, voilà, hein, de 45 minutes, là c'est, je sais plus combien ça dure hein, exactement au basket, je connais pas, vraiment pas trop les règles du basket, mais là on peut faire 3 minutes pour un carton, donc ça fait un match de 12 minutes, voilà, on va laisser comme ça. Mode, alors ça c'est le mode de jeu, hein. Exhibition pour faire des matchs simples, saison pour faire, c'est ce qu'on va faire, hein, la compétition, voilà, de la NBA, et ouais. Et les playoffs, ben c'est uniquement les tournois, en fait, voilà, avec des branches, hein, c'est ce qui est en finale de la saison, hein, parce que les saisons, c'est ça, hein, c'est des matchs en poule, hein, des matchs de poule, je crois, et après, ça se finit par les playoffs, voilà, vraiment la finale, quoi, la compétition. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, le niveau de jeu, rookie, normal et all-star, on va mettre en normal, quand même. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, le style de jeu. Soit on met en arcade, soit en simulation, soit même en mode spécial, donc c'est personnalisé. Et ouais, et on peut le modifier en allant dans les règles. Voilà, en bas à gauche de l'écran, là, vous avez vu. Et voilà, et là, je peux modifier à foison, à volonté, je peux modifier les... Vous voyez que ça change, hein, regardez. En haut, là, il y a marqué style spécial. Là, si je le mets à 0, voilà, c'est l'arcade. Et je peux passer de l'un à l'autre. C'est comment, déjà, voilà, touche triangle pour afficher changer de règle, bah, comment on fait pour changer ? Passer au style sélection. Ah oui, c'est avec la touche croix, voilà, regardez. Je peux passer, voilà, le mode simulation, c'est ça. Vous avez ça comme règle dans le mode simulation. C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a les blessures. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, il y a les fautes défensives. Les fautes disqualifiantes, les sorties, voilà, on peut le désactiver, voilà, les sorties, pour que ça siffle pas comme au foot, contre illégal, voilà, donc la règle des 10 secondes, des 24 secondes, voilà, fatigue, blessure, alors qu'en mode arcade, eh ben vous avez tout de désactivé, sauf on va même le désactiver, non ? Voilà, vous voyez ? Et si je désactive la mode des 24 secondes, c'est la seule règle qui est prise en compte en mode arcade, voilà, vous voyez ? Et si je le désactive, on passe en mode spécial, voilà. Et je peux personnaliser, voilà, comme je veux. Si je veux n'activer que les retours en zone, et ben je peux le faire, voilà. Vous voyez, ça c'est pas mal, hein, franchement. Bon. Les options pour modifier pas mal de choses. Joueur, je crois que c'est pour quand on a plusieurs manettes de brancher, je pense. Carte, c'est pour la carte mémoire, hein, pour sauvegarder, charger, etc. Et les effectifs, très important, que j'ai fait avant de tourner cette vidéo. Vous allez voir pourquoi. Parce que... ah ouais, mais là, ça n'a pas été pris en compte, là. Attendez, je vais charger la partie. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, je vais vous remontrer. Là, j'ai fait un chargement rapide pour vous montrer. Vous avez vu que juste avant que je fasse ça, le mot annulé était en grisé, comme le mot blessé. C'est pour s'occuper des blessés hein, quand il y en a. Mais là, le mot annulé était en grisé. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait de... Ouais, ça n'a pas pris en compte mes changements, vu que je n'avais pas sauvegardé sur une carte mémoire. Bon, là, j'ai créé des nouveaux joueurs. Vous pouvez en faire 40.
Voilà, de base. Ça rappelle comme FIFA, hein, c'est exactement la même chose. On peut regarder, je vais aller dans créer joueur. On peut modifier, choisir son nom. Là, ils vous disent que vous devez entrer un prénom. Mais ça, c'est un blanc. C'est un espace. Donc, même si vous faites start, ben voilà. Là, j'ai pas choisi de prénom. Mais je peux quand même. Voilà, vous voyez, vous devez entrer un nom et un prénom. Je peux même faire en sorte qu'il n'ait pas de nom, vous voyez. En faisant comme ça, en choisissant un espace. Bon, on peut choisir l'équipe à laquelle il va appartenir. Regardez, ça change le maillot. Pivot, meneur de jeu, arrière-shooter, etc. Sa place. Numéro de maillot, voilà, ça va de 0 jusqu'à 99, voire même double 0, vous voyez. Mais il n'y a pas double 07, malheureusement. Main droitier ou gaucher, voilà. La taille, le poids, l'université, hein, même d'Amérique. Les années pro, voilà. Si vous avez fait 5 ans de basket et que vous voulez vous reproduire en tant que joueur, eh ben vous pouvez, hein. Après, il sera. Vous pouvez même le mettre en joueur libre et après, il pourra signer dans une grande équipe. Voilà quoi. Vous pouvez faire des transferts exactement comme dans FIFA 99. Vous pouvez vraiment modifier les équipes, hein. Voilà. Mais là, on peut pas créer d'équipe, contrairement à FIFA. Enfin, je crois, hein, que dans FIFA 99, on pouvait créer une équipe. Enfin, on pouvait changer les maillots, etc. Là, on peut pas, hein. C'est juste que ça. Voilà, les stats aussi, minimum 50, maximum 99 pour les stats. Vous pouvez très bien faire un joueur à fond dans toutes les stats, hein, contrairement à FIFA, où vous pouviez même pas créer de nouveaux joueurs, en fait. Enfin, je sais plus trop comment ça marchait, mais je crois qu'on pouvait juste modifier les joueurs existants. Et donc, ils avaient tous un potentiel de stats. Ils pouvaient pas être à fond dans toutes les stats. Voilà. Bon, allez, on va quitter. Annuler et quitter. Voilà, allez, je vous montre, on va aller dans les exhibitions. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'était vraiment excellent, vous voyez, avec transfert, signature, libération, hein, pour mettre un joueur dans la catégorie joueur libre, hein, etc. Bon, allez, voilà. Je pense que tout doit être bon, je pense que j'ai fait tous les préparatifs nécessaires avant avant de tourner la vidéo. Donc on va laisser comme ça, tant pis, on va mettre en mode arcade, hein, ça fera qu'on aura la règle des 24 secondes. Donc, exhibition, allez, on va mettre en saison, voilà, pour faire un tournoi. Et on va choisir notre équipe. Ah, vous voyez ? Ah, je me souvenais plus de ça. Vous voyez, on peut même choisir... on peut même configurer la saison, hein, bien sûr. Et déjà, même si vous mettez au minimum, vous voyez que maximum, c'est 82 matchs. C'est assez énorme. Et minimum, c'est 28, hein, déjà. Bon, on fera pas les 28, hein, bien sûr. Format play-off. Alors, vous voyez ? C'est ce que je vous disais pour les phases finales. Je sais plus à quoi ça correspond. Allez, on va mettre en 1-1. De toute façon, on n'y arrivera pas au play-off. Respecter date des transferts. Oui. Pas de transfert, non. Non, voilà, pendant toute la saison, oui. Effectif utilisé spécial, importer joueur créé, oui. Toujours affiché cet écran, oui. Bon, voilà, on va laisser comme ça. Bah, je suis un petit peu troublé parce que je me rappelais plus trop de ça. Bon, comme vous pouvez le constater, la meilleure équipe du jeu, c'est les Chicago Bulls. Là, c'est les effectifs de base, hein, j'ai rien touché. Qu'est-ce qu'on va... Les Cleveland Cavaliers, ils sont où déjà les nôtres? Vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu les noms les logos des équipes. Maintenant, je suis sûr que ça a changé. Je suis sûr que c'est plus du tout la même chose. Je suis sûr qu'il y a des équipes qui n'existent plus ou qui ont changé de nom. Comme les Sonics. Je crois qu'ils s'appellent les Super Sonics maintenant. Ou alors c'est l'inverse. Ils sont où d'ailleurs les Sonics? Fais voir. Voilà, les Seattle Sonics, voilà, vous voyez, à l'époque, ils s'appelaient les Sonics, mais je crois que maintenant, ils s'appellent les Super Sonics, je crois, hein, je m'en rappelle plus trop, ou alors à moins que c'était comme ça avant 97, bon, en tout cas, on s'en fout, nous, on va prendre notre équipe, alors, où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, c'est celle-là, les New Jersey Nets, pourquoi celle-là? Ben, parce que net, le net, hein, internet, voilà, on est tous des geeks, voilà, donc voilà, alors de base, vous voyez qu'elle est cinquième, c'est que des joueurs que j'ai créés. Bien sûr, hein, je pense que vous avez deviné qui j'ai pris. Hein. Petite surprise, on va voir. Je vous le dis pas avant de vous avoir montré la liste des joueurs. Là, contrairement à FIFA, on peut afficher les noms des joueurs. Heureusement, hein, d'ailleurs. Parce que dans FIFA 99, rappelez-vous, il n'y avait que les numéros. Ouais, sixième en rebond, en score. C'est pas trop mal, cinquième en général, attends. J'ai fait que des joueurs, je me suis mis une moyenne de 70, hein, plus ou moins 70-80, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, hein, pour les joueurs. Et on est 11e en adresse par contre, ça c'est un petit peu bizarre. Voilà, donc on rivalise avec les meilleurs joueurs de la NBA, c'est excellent. Mais de base, les Nets, ils étaient que 20, 25 et quelques, hein, peut-être 26, 27, j'en sais rien, c'était l'une des moins bonnes équipes. Allez, on va prendre celle-là. J'espère qu'on va avoir nos... Ah, le premier match, les Trailblazers, vous voyez, ils ont déjà joué 3 matchs, et nous aucune. On peut même faire des simulations, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de trucs à faire, nous on s'en fout, on va jouer directement, déjà que je sais pas du tout combien de... Oui, hein, on va jouer avec notre équipe. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que j'ai commencé à démarrer cette vidéo. En tout cas, on s'en fout, voilà, on a déjà passé suffisamment de temps dans les menus. Mais vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire, hein, franchement, et ce qui est étonnant...
Voilà, I love this stuff, le menu de chargement, qui sont quand même relativement longs. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez vu, ça mélange arcade et simulation. En fait, ça peut aussi bien contenter les joueurs qui veulent jouer de façon réaliste, plutôt que ceux qui veulent pas se prendre la tête et faire vraiment n'importe quoi, éjecter les joueurs. Oh, écoutez, Georges Eddy ! Et bienvenue ici à East Rutherford, pour le match de ce soir qui vous est présenté par EA Sports. Ah, ça c'est excellent quoi, franchement, sérieux, on a Georges Eddy en personne. Alors par contre, au niveau des commentaires en match, parce qu'ils se contentent juste de commenter avant. Regardez les joueurs qu'on a. L4, Bibi, on a même le poids et la taille, regardez, faites attention. Est-ce que ça vous correspond? Hooper numéro 11 comme d'hab, 30 pour Bibi parce qu'on ne pouvait pas mettre 300, et Jérémy le même, et Sylar 78, il m'avait dit comme son département, et je t'ai écouté, tu vois, je m'en rappelle. Bon allez, c'est parti, regarde-moi ça. Bon, ça c'est les joueurs, Sylar, il commence bien, prends sa fumier. Oh, bien joué Bibi, il a pas perdu la main depuis le foot, que ce soit en foot ou en basket, il rocks toujours du poney, hein, t'inquiète pas. Bon, Jérém, c'est le plus grand, apparemment, il est où Hooper? Regardez, il est en 11, lui aussi, il est assez grand. Je lui ai mis une barbichette. Parce que son avatar sur... Oh, le con! Oh putain, si je l'avais marqué, franchement. Parce que là, j'ai appuyé trop vite, en fait. Parce que c'est la même touche pour faire un... Oh, Bibi, le... Oh putain, mais c'est incroyable. Regardez, il lève les bras. Voilà, j'espère que t'as pas de poils, hein, sérieux. Ah, il y a un gars avec un... Ah oui, il est célèbre, ce joueur, regardez. Celui qui a le bandeau rouge autour de la tête. Alors nous, on peut pas en avoir, hein, pour les joueurs créés, malheureusement. Voilà, bien joué, ils ont marqué un... Pour l'instant, c'est pas trop dur, hein, franchement. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer. Sylar, ça doit être le plus petit. Oh, il y a quelqu'un qui... Regardez, il y a quelqu'un qui a massacré. Jérém, il est dans les pommes, je crois. Allez, je vais... Oh non, j'ai voulu... Allez, on tente un 3 points. Non, malheureusement. Voilà, Wallace, Anderson, vous voyez, c'est pas mal, quoi, sérieux. Quand ils ont des prénoms, bien sûr, on a le Sabonis. On a la lettre K, etc. Bon, allez. 2 minutes avant la fin du premier carton, vous voyez, ils disent « Allez, dépêche-toi, récupère la balle, Hooper. Allez, est-ce qu'il va faire un gris-gris ? Regardez. Ah, mais... J'arrive plus à faire de gris-gris. C'est bizarre. Allez, Sylar Rock, tente un 3 points. Est-ce qu'il va le mettre ? Oh, bien joué ! Excellent, ça, vous avez vu. Pourtant, encore une fois, on a entre 70 et 80, hein, dans les... J'en ai massacré un, regardez. Oh, putain, lui, il est géant. Ah, il a le même numéro que Hooper, numéro 11. Donc, ouais, c'est ça fait plaisir. Oh, regardez, il a fait un gris-gris, vous avez vu. Et là, normalement, vous voyez, on a que 24 secondes pour tirer. C'est bizarre qu'il n'y ait que cette règle qui soit valable en arcade. Peut-être pour forcer les gens... Oh, magnifique interception Bibi 300, voilà, bien joué. Vous voyez, il s'appelle juste Bibi parce que je peux pas mettre de lettres. En fait, putain, mais il est overpowered, c'est hallucinant. Voilà, bien joué, Sylar. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Bibi et Sylar qui ont... Il est dans les pommes. Qui ont marqué, je crois. Ils sont assez overpowered. Oui, je vous le disais, c'est la même touche pour tirer et pour... c'est la touche rond. Pour tirer et pour essayer de choper la balle. Pour essayer de renverser un joueur. Voilà, vous voyez... Oh putain, il est rapide, Hooper. Prends sa fumier. Oh non, il lui a fait un coup dans le dos, vous avez vu. Il l'a attaqué lâchement. C'est bien qu'il n'y ait pas la fatigue, là. Parce que... Oh, magnifique le dunk, là. Regardez, tir ralenti. Boum. Ah, c'est pas mal, franchement. Non, j'adore ce jeu, hein, franchement, je suis très fan. Attention, il reste plus que 38 secondes. Est-ce que... Oh, L4, magnifique, ça. Voilà, j'ai quand même marqué un petit peu. Oui, au niveau de la coiffure et tout, hein, c'est extrêmement limité, hein, vous avez vu. Il n'y a que 2 visages, hein. Plus une couleur de peau, donc voilà. C'est assez... Prenez-lui la balle, les gars. Oh, magnifique, ça, Jérém. Allez, il reste plus que 22 secondes, là, il faut marquer. Putain, il est rapide, lui aussi. Voilà, nickel. T'as, pourtant, on est... on est quand même... pourtant, à l'entraînement, je me faisais laminer, quoi. J'avais joué contre une des dernières équipes, les Grizzlies. Ils sont 29e et pourtant... Oh, magnifique. Je sais même pas comment il a fait pour récupérer cette balle. Oh, à chaque fois qu'il veut tirer, il se fait laminer, le carcaradon. Bon. Oh, attention, il reste plus que 0 seconde. Oh, ils ont réussi, regardez. Anderson, regardez, vous avez vu, il a mis un 3 points, là on a plus que 0,2, on a plus que 2 centièmes de seconde, donc là, dès que j'aurai passé le ballon, il faut que quelqu'un soit très proche de moi, donc Sylar ou, c'est qui, c'est Jérém ça, numéro 20, donc dès que j'aurai passé le ballon, il faut tirer tout de suite après, regardez, ah j'ai pas eu le temps, à 0,3 je suis sûr que j'aurais peut-être pu le faire, et voilà. Et c'est ainsi que se termine le premier carton. Toujours avec son accent américain, c'est vraiment excellent. Mais vous voyez qu'ils font pas de commentaires en match. C'est ça que je voulais vous dire. Mis à part une autre voix, c'est pas celle de Georges Eddy, je sais même pas qui c'est là qui dit. Il dit par exemple, numéro 13, 3 points. Vous voyez ce genre de truc. Mais il va pas dire des trucs genre, oh c'est quoi cette faute là, il y allait trop fort. Vous voyez ce genre de truc. Non, il n'y a pas ça. Uniquement les annonces au début de match, début de carton. Et quand on marque des points, voilà. Bon, ben voilà, on va passer au deuxième carton. Je sais même pas si on pourra faire...
qui est le carton qui vient de se terminer. Bon, vous voyez, c'est pas trop mal au niveau des stats. 66% de panier, 6 sur 9, 1 sur 2 en 3 points. Voilà, j'aime bien tenter les 3 points quand même. 7 interceptions, on en fait beaucoup, mais en mode arcade, franchement. Mais quand on joue en simu, c'est complètement différent. Il faut pas y aller à la bourrin et pousser les autres des coudes. Sinon, bien évidemment, ça fait des fautes. Hein, et il y a les lancers francs, etc. Là, il y aura quasiment jamais de lancers francs, hein, vu qu'il n'y a pas de règles. Donc, vous voyez, ça qui est excellent, quoi. Ça change vachement. Oh, on a quand même passé une 42 sans marquer les autres. Bon, mais voilà. On va peut-être changer de... Je vais aller dans les options. Alors attention, parce que là, la manette bug un petit peu, vous voyez. J'appuie juste un tout petit peu et regardez comment ça fait défiler les options. Donc là, j'ai envie de faire des remplacements. Je vais faire jouer d'autres joueurs. Évidemment, là, la fatigue n'est pas activée, hein, bien sûr. Vu que j'ai le numéro 69. On se demande pourquoi, hein, franchement. Donc, je vais remplacer un petit peu Bibi, vu qu'il a vachement marqué. Si j'arrive à positionner le curseur sur lui. À mon avis, je pense que je pourrais pas. Parce que là, ça bug trop, là. On a même des problèmes de son. Déjà, non. Bon, tant pis, on s'en fout. Non, non, je veux quand même changer, s'il vous plaît. Attends, pourquoi? Oh, voilà. Là, j'ai pu sélectionner Bibi. Vous voyez, les menus bug, c'est abusé. Alors, est-ce que... Ah, voilà, je voulais montrer les autres, quand même. Donc, Factor, Madvenger, Zombie, Jiri, là, il y en a un autre. Vous voyez, c'est la même équipe. Avec les numéros qui ont changé un petit peu, hein, vous voyez, 12 Jiri au lieu de 120. Hein, et, parce que c'était l'agent 120, hein, bien sûr, dans son film. Il y en a un qui a dégagé. C'est la même équipe que dans FIFA 99, sauf qu'il n'y a pas Marcus. Et il y a Légonite qui a dégagé aussi. Et il a cédé sa place à WF. Voilà, WF59, hein, sur Daily. D'ailleurs, on va le faire jouer, vous savez quoi? Vu qu'il n'était pas dans... vous voyez qu'il y a beaucoup moins de joueurs, hein, bien sûr. Le football, c'est à 11. Et le basket, c'est à 5. Donc voilà, hein, je ne pourrais pas tous vous faire jouer, hein, malheureusement. Surtout si le menu continue de bugger, voilà. Donc désolé Bibi, je te mets à la place de... Enfin, je te mets sur le banc à la place de WF. Voilà, ça rappelle Space Jam, hein, le film avec... pourquoi il peut plus bouger, Sylar? Ouais, je crois que c'est parce qu'il a... je sais plus, je me rappelle plus. Ah, et Bibi, il est encore... ah oui, il faut faire un temps mort, je suis con. Voilà, c'est ça. Ah ben, je peux pas, là, comment ça se fait? Ah, il faut qu'on ait la balle, c'est ça? Bon, ok, bah, dès qu'on aura la balle, je vais faire un temps mort. Allez, Jérém, prends-le, ce ballon. Voilà. Oh non. Et voilà, ça nous a piqué le ballon juste au moment où je voulais... ah, fait chier. Bon, bah là, c'est bon, là. Voilà, je vais demander un temps mort. Et voilà, normalement... voilà, je vais me mettre... vous avez vu, ça clignote. Et je me suis mis... sur l'écran du bas, là, au lieu de me mettre vers la gauche. Voilà, mais là, on avait bien récupéré le ballon. Quand même, 15 à 7, c'est vraiment pas de la merde. Bon, est-ce qu'il y a WF? Est-ce qu'on a fait les changements, là? Allez, je vais essayer de passer un petit peu à tout le monde. Hooper, et le dernier, c'est qui? Ben non, Bibi, il est toujours là, je comprends pas, là. Pourquoi? J'ai pas tout compris. Franchement, je comprends pas comment on fait. Les changements sont pas immédiats. Je comprends vraiment rien. Oh, bien joué, ça! C'est Sylar qui l'a poussé dans le dos, je crois. Ah, il est lâche, hein, franchement, Sylar. Regardez, je vais tenter un 3 points à partir d'ici. Ça marche pas trop mal, voilà. Ça marche bien, en général. Voilà, ça, je me rappelle que je le faisais assez souvent. Jérém, il nique tout, là. Franchement, il reste en attaque. Allez, Hooper, prends-moi ce ballon. Ah, c'est dommage, là, franchement. Ouais, je comprends pas comment on fait pour changer de... Regardez, Jérém, il fait un gris-gris, là. On appuie sur la touche rien. Oh, putain, Bibi s'est fait défoncer, je crois. Oh, putain. Et, on peut même leur foncer dessus, hein, quand on a la balle. Mais la plupart du temps, ça marche pas trop. Bon, allez. Oh, il faut quand même que je montre que je tienne ma réputation de gros noob de base. Putain, Bibi, franchement, il assure, hein, sérieux. J'aimerais bien faire jouer quelqu'un d'autre un petit peu. Voilà. Bon, dommage, on a raté le ballon. Allez, Bibi, elle est juste devant toi, là. Allez, Sylar. Oh, pas mal, ce drunk. Drunk. C'est un drunken master, un alcoolique. Non, non, un dunk, plutôt. Et en plus, c'était pas vraiment un dunk, vu que je pense qu'on est trop petit pour faire un dunk. Ou les plus grands, c'est Hooper et Jérém, hein, bien sûr. Oui, je vous disais, je lui ai mis de la barbichette. Un petit... vous voyez, lui, il a aucun mal, par contre, hein, à faire des dunks. Il en a fait pas mal, hein, quand même, dans le match. Voilà, bien joué, Sylar Rock. Bon, désolé, il y a eu une coupure de Snagit, encore une fois, hein, comme dans TR3, je sais pas pourquoi ça me fait ça, sérieux, la limite de 1 giga. Surtout que j'ai été... Oh, il a même pas touché le panier. Il est pas très doué en 3 points, l'ami Hooper. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça, sérieux, ça me fait la même chose. Des coupures toutes les 14 minutes, hein, à peu près. Donc voilà, moi ça m'indique que ça fait 14 minutes, mais sinon c'est vraiment chiant, parce que ça me coupe la parole, et voilà, quoi, ça m'oblige à perdre un petit peu du match. Bon. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, je lui ai mis de la barbichette, parce que, un petit peu un bouc, hein, comme moi, parce que, parce qu'on a... Oh, il a perdu le ballon.
parce qu'on dans son avatar de la Wii, eh ben il a à peu près quand même... Oh, bien joué Sylar, hein, ça mérite un ralenti. Vous avez vu, sur le ruban et en plus juste avant la fin du temps imparti. Voilà, mais on est qu'à la mi-temps, hein. Il reste encore deux cartons encore une fois. Allez, c'est facile. Quoi ? Eh, les joueurs très en forme, ouais, c'est ça, c'est les joueurs de... Les meilleurs joueurs à la mi-temps. Donc là, c'est Sabonis, hein, sans surprise, c'est lui qui a fait les deux dunks. Et Sylar qui a quand même marqué 9 points, hein. Franchement, je crois que c'est lui qui a le plus marqué. En tout cas, voilà, c'est lui qui a été sélectionné. Est-ce que je peux... Bon, tant pis, c'est pas grave, on va garder les mêmes joueurs. Sinon, les menus vont encore bugger. Allez, début du troisième quart-temps. Bon, ben, me revoilà. Désolé pour cette petite coupure. Je sais pas ce qui se passe avec Snagit, pourquoi il me fait cette limite de 1 giga, alors qu'avant j'avais aucun problème. Enfin bref, j'ai essayé de chercher dans les options et je vois pas trop de... Oh vite, pendant qu'il est dans les pommes! Bien joué ça, Bibi. toujours avec les magnifiques animations. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai essayé de chercher dans les options et je vois rien de comparable. En tout cas voilà, ouais, je voulais vous montrer un petit peu les gris-gris. Voilà, la touche carré là, il se déplace tout seul, il monte tout seul au panier quand on appuie sur la touche carré, quand on a la balle. La touche triangle, ça fait un espèce de truc que Jérém a fait tout à l'heure là. Un espèce de... Regardez, je vais le faire avec Sylar. Vite! Voilà, je vais me mettre à un endroit où il n'y a personne. Regardez, hop, vous voyez, ça fait un espèce de dribble rapide comme ça, et après il recule. Bon, fais attention parce qu'il y a aussi des règles de retour en zone. Hein. Quand on met en mode arcade, en mode simulation, bien sûr, bien joué Bibi. Putain, c'est toujours les mêmes Kyrox là. Oh, de toute façon, je m'en doutais. Hein. Je crois que les meilleurs dans les stats, c'est Sylar et Bibi. Non, il reste plus que 2 minutes, c'est bon. Alors lui, attention, c'est le plus dangereux là, Sabonis. Voilà. Je suis sûr qu'encore une fois, la majeure partie des joueurs n'existe plus. Putain, j'arrive plus à lui passer. J'arrive pas à lui choper le ballon. Il est trop résistant. Parce que évidemment, les stats ont un impact. Ah voilà, c'est Cliff Robinson. Non, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, voilà. Clyder Robinson, je me rappelle plus. Donc voilà, ouais, je crois que ceux qui ont les meilleures notes, c'est Sylar et Bibi. Je me rappelle plus trop. Encore une fois, j'ai fait un petit peu au pif. Hein. Jérém, à titre d'information, il a 77 partout. Voilà, vraiment partout. Hein. En endurance, en lancer franc, en 3 points, etc. Voilà, que des 7. ça lui portera bonheur, je pense. Bon, alors, putain, mais lui, il fait chier à garder le ballon. Voilà, magnifique. Encore un dunk, voilà. Encore une fois, on aurait pu en faire plus si on était plus grand ou si on avait un meilleur score en dunk. Là, je pense qu'on pourrait en faire, mais ça risque d'être chaud. Il faut avoir beaucoup de vitesse, hein. Et il faut avoir quasiment traversé tout le terrain et qu'il n'y ait personne pour nous gêner, qu'on soit pas ralenti et que... je vais essayer de tirer de là avec Sylar, regardez-moi. Oh, il a quand même touché le cercle. Voilà, c'est pas mal. Bon, on va essayer de continuer un petit peu, hein, jusqu'à ce qu'on... Oh, voilà, Jérém, il a fait un dunk, là, vous avez vu. Il a réussi. Il a vraiment... Il a touché la main avec... il a touché le panier vraiment avec sa main, quoi. Vraiment, le cercle... Voilà, il est... Alors que là, vous avez vu, il l'a pas fait vraiment exactement. Bon. Il a... Oh, magnifique, cette passe, là. Ça mérite bien un panier, ça. Oh, franchement, on rocks du pony, là, sérieux. C'est assez hallucinant. Pourtant, à la répétition, encore une fois, je faisais que de la merde. Oh, voilà, magnifique Alcat. Voilà, moi je me connais bien, donc vous avez vu. Pourtant, voilà, j'arrive pas à faire de dunk dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que je me suis mis... je suis la seule personne que je connais bien, hein, j'ai envie de dire. Personne d'autre, on se connaît bien soi-même, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà, attention, vas-y, tire. On va essayer de le contrer en sautant. Ah ben, oh putain, il a réussi le 3 points, bien joué. Je crois. Faut voir. Non, 2 points. Il a mordu sur la ligne, donc j'ai écouté le commentateur, il a dit que Sylar a raté son 3 points, et moi je suis dans les pommes. Vite, il faut qu'on récupère la balle, là, avant la fin du match. Voilà, mais c'est eux qui ont tiré. J'adore faire ça, tirer au dernier moment, quoi, avant la fin du coup de sifflet final. C'est vraiment pas mal, quoi. Tenter le tout pour le tout. Putain, on a que 22% de 3 points. C'est vraiment pas... Oui, en fait, j'ai pris les nets pour la couleur de maillot, en fait. Bon, là, on est en blanc, malheureusement. Mais pendant la création de perso, on les avait en bleu. Je crois que c'est quand on est en... Sylar, il en veut, hein, aux 3 points, mais il a pas de chance pour l'instant. Dommage, la passe dans le dos, elle était vraiment pas mal, là. Oui, à l'extérieur, je pense qu'on a au magnifique... regardez, magnifique dunk, là. Alors que nous, on en a poussé un autre. Oh, ouais, Jérém, il est doué aux 3 points, écoute. C'est ça, ouais, 3 points. Il est plus enthousiaste quand c'est en 3 points, hein, le commentateur. Je me suis fait des... Oh, putain, Jérém, il rocks du poney, là. Je me suis fait des stats vraiment qui correspondent bien à moi, hein, je sais ce que je vaux. J'ai joué pas mal au basket, hein, dans ma jeunesse, hein, j'ai envie de dire. Et maintenant, oh là, magnifique, ça. Regardez, hop.
Voilà, nickel. Ouais, vraiment, faire les mêmes choses que la star des NBA, de la NBA, franchement, hein, c'est vraiment... C'est vraiment... Vous voyez que c'est beaucoup... Oh, il a voulu faire une passe, mais... On se fait vraiment shooter, c'est un truc de malade, là. Il a voulu faire une passe, mais... Je sais plus qui j'avais, là. Mais... Il y avait une passe dans... Je voulais faire une passe dans le dos, mais en fait, le destinataire... celui qui allait réceptionner la balle, il s'est fait mettre au tapis. Donc la passe a été annulée, vous avez vu, c'est vraiment pas mal quoi. Non, franchement, c'est un jeu que j'adore. Allez, L4. Oh non, juste au moment où j'ai frappé, il m'a sauté dessus, vous avez vu. Il m'a fait tomber en me heurtant en plein saut. Franchement, c'est vraiment bourrin ce jeu, sérieux. Mais encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez mettre en mode simu, hein, bien sûr. Je vais essayer de faire un gris-gris, regardez. Hop, je me suis fait vraiment défoncer l'anus. Franchement, ils me font pas de cadeau. Voilà, fais la passe. Encore une passe. Sailar, ouais, vous voyez, on doit bien jauger, en fait, la pression sur la touche de tir. Oh, regardez, Sailar, il clignote. Ça veut dire qu'il est, il a fait beaucoup de bonnes actions. Il a même marqué, là. Il a fait beaucoup de bonnes actions à la suite. Voilà, c'est un peu l'équivalent du ballon de feu, hein, dans NBA Jam. Voilà, on va essayer de monter au panier. Oh non, fais chier. Donc voilà. Bon. Franchement, ça rigole pas. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment survolté, là, le match. Et mine de rien, on en est à 45 à 30. Je sais plus c'est quoi mon... Oh, magnifique, ce coup, là. Je sais plus c'est quoi mon record de points. Mais en tout cas, voilà, il reste plus que 49 secondes. Est-ce qu'on va réussir à marquer un panier de loin quand le chrono sera presque fini. Encore une fois, on doit pas garder la balle plus de 24 secondes, hein, sinon. Il a essayé de tirer aux 3 points, là, mais ça a pas fait grand-chose. Écoutez, je pense que je vais pas tarder à vous laisser là. On va attendre la fin du match. Oh, magnifique cette passe là. Allez, un petit 3 points. Non, malheureusement, ça a pas marché. Il faut qu'on récupère la balle là. Sinon, ça va pas du tout. Allez, je vais me passer la balle à moi-même. Et je vais attendre qu'on en soit à... Parce que là, ça fait moins de 24 secondes. Je vais essayer de me mettre au maximum. Là, je suis poursuivi par deux gars, ça va pas être facile. Je vais essayer de me mettre le plus loin possible. Et je vais tirer quand il va rester. Regardez, maintenant, hop. Oh putain, dommage, hein, ça a été presque. J'adore ce genre de truc, vous voyez. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là, c'est fini. On a gagné, hein, 47 à 30. On n'aura fait qu'un seul match contre les Blazers, c'est dommage. Mais vous voyez, franchement, j'adore ce jeu. J'ai d'excellents souvenirs, hein, sérieux, sur ce jeu. Vraiment très réussi, hein, pour l'époque, encore une fois. Et même encore aujourd'hui, le joueur du match, Sailarock, bien joué. Bravo à toi, hein, franchement. C'est pas anodin, hein, si je fais la vidéo, le retour des testeurs, hein, après FIFA 99 qui a eu lieu l'année dernière, hein, c'était l'année dernière, je sais plus trop exactement. Mais en tout cas, voilà, ça avait plu à pas mal de monde. Là, il y a eu moins d'actions de ouf. Franchement, je me suis moins emporté, ce genre de truc. Hein. C'était un petit peu moins folichon, cette vidéo. On est moins doué au basket, hein, apparemment. Il peut moins se passer moins de trucs de ouf, hein, au basket. En tout cas, voilà, Sailar, homme du match. Il a marqué 13 points, hein, à lui tout seul, quand même. Quasiment un tiers de... Ou un quart des points au total. Ah ouais, 47, hein, c'est ça. Ouais, presque un cinquième. Bon, mais voilà. On va revenir à l'écran de début et je vais vous laisser là. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao, les gars. Ouais, je vous disais, c'est pas anodin, hein, que je fais cette vidéo. Parce que je me disais que ça faisait quand même longtemps, hein, franchement. Ouais, WF, si je l'ai intégré dans votre équipe, c'est parce qu'il a fait les testeurs, mais en catch. Donc là, on n'était pas une équipe, on était chacun pour sa gueule, voilà, dans le catch. Hein. On s'affrontait tous. Mais là, on est encore une fois réunis, hein, ça fait du bien quand même, après les disputes. Voilà, maintenant, on est tous réunis. Quelle mentalité, hein, franchement. C'est dommage que je vous ai pas montré Jiri Storm, Zombie, Madvenger, tous ceux qui étaient dans le... Sur les bancs, là. Bon, mais c'est pas grave. Bon, sur le banc de touche. Parce que Sailar va reprendre les défis de FIFA. Hein. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu que je vous refais un petit peu une vidéo des testeurs, voilà. Il m'a un petit peu donné l'idée de faire ça. Bon, allez, à tchao, les gars. On va faire une simulation. À votre avis, est-ce qu'on va gagner contre les Jazz? Allez, on va simuler pour voir. Si on n'a pas envie de jouer, ben on fait ça, hein. On a gagné. Combien? Tu vois? On a gagné 41 à 33. Est-ce qu'on peut voir les buts? Je pense pas, hein, qu'on puisse voir qui a marqué. Ah, c'est dommage. Oui, il y a une anecdote aussi. Hein, il y a Michael Jordan qui est disponible, hein, dans le jeu. Je crois, hein, mais je crois que son nom, c'est Rookie. Ou Rookie Player, je sais plus trop. Il est dans les joueurs libres, je crois.
ou dans les Chicago, mais il a pas de photo, il s'appelle Player, je crois. Mais c'est lui, hein, normalement. Et sinon, on peut aussi jouer avec l'équipe de développement hein, du jeu. On peut aller voir le générique. Est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, on va quitter le jeu. On va revenir à l'écran de début. En appuyant sur la touche rond, regardez, j'affiche le générique. Et voilà, Amaury Wong, Alan Johansson, Brian Croze. Voilà, si je rentre ces noms-là en mode création de joueurs, eh ben, je les aurai vraiment, quoi. Ça va les faire automatiquement, je pense. Et je pourrai jouer avec eux dans le jeu, c'est vraiment pas mal, quoi. Allez, à ciao, les gars.